that good. Tu sens en train d'aller du bureau de Gilles. Aujourd'hui, tu vas commencer. Ah, qui était prête? Non. Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai encore quelque chose avec toi? Parce que j'ai dit à chaque fois. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des food hacks qu'on a trouvé sur TikTok. On va tester ça, voir si ça fonctionne vraiment, si ça vaut la peine. Fait que le premier, bien évidemment, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le whipped coffee. Ça, c'est simple. Il me faut premièrement du café instantané. On va prendre du décaf parce que j'ai déjà bu un café il y a une heure. Fait qu'on va se calmer. Il faut du sucre, puis de l'eau. Puis, dans le fond, c'est les mêmes quantités de ces trois trucs-là. Moi, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Fait que 2 cuillères à soupe d'eau, de café, de sucre. Tu whips ça 5 à 10 minutes. Puis, c'est supposé devenir épais. Je vais faire un. Là, je vais essayer ma cuillère pour pas que ça colle dedans. Puis, là, c'est le temps que j'avais pas de son travail. C'est une vidéo, là. Si tu peux faire là, tu peux prendre la porte. Fait j'ai mis les 2 cuillères à soupe d'eau, les 2 de coffee. Period. On va en mettre 2 de sugar. Si tu veux bien. Voilà. Tu l'as eu. Ça va passer à côté. Comme il y en a assez. C'est déjà beaucoup deux là. Oups! Ah, il y en a plein de temps. On va passer à balayer les après. Ah, yeah. Fait que là, tu prends ça, puis tu mélanges ça 5 à 10 minutes pour donner de quoi de whipper. Ça va vite? Ouais. Oh, c'était bon. Merci. Moi, je pense que c'est toi qui m'a oublié. Yup! Ok, fait que ça fait même pas une minute, puis ça a l'air déjà tout ça. Je sais pas si on voit. C'est quand même déjà. Oui, on va continuer. Ok, fait que ça fait environ là, genre 2-3 minutes, puis ça a l'air déjà de ça. Ça va être ça pour nous. Tu peux prendre un pot maçon, ça va être super beau. Je vais sortir de la glace. Je vais sortir de la glace pendant ce temps. Ça sort pas le café. Puis il y a aussi le lait. Tu peux sortir. Oui. Ok, on va sortir. On va se mettre 3 glaces. Ah, il y a du sucre. Ça va être vraiment bon. Tu peux mettre du lait jusqu'à genre un peu plus que la moitié. Pour le lait, on y va vraiment. Au goût. C'est vraiment comme vous le désirez. Puis, dernière étape, assez simple. Tu peux juste mettre ça là-dedans, comme ici. Je vais faire une poille. Une poille. Ça a l'air de grand chose. Ça a vraiment l'air de rien. Puis, on va mélanger. C'est pas bruyant. Non, c'est pas. C'est pas salisant non plus, ça beurre tout partout. Anyways, est-ce que tu veux ça first? J'aime pas le café. Tu veux quoi? Tu veux quoi? D'accord. Là, dis-moi si c'est pas. Ça goûte le cappuccino glacé chaud. Un peu plus de café. Et on a quand même mis beaucoup de sucre parce que c'est pas bien. Genre, mettons, j'aime pas le café, mais quand j'aime ça, il faudrait que je rajoute genre la crème ou du lait. Ouais, je trouve que ça goûte le cappuccino. Le cappuccino glacé, c'est utile, mais avec un peu plus de goût de café. Ouais. Puis plus liquide parce que eux, c'est vraiment joli. Parce que du scotch. Mais même si j'aime pas tant le café, genre, c'est vraiment. Ouais, ouais. Ouais, c'est sucré, c'est ça, c'est sucré. Moi, je dis que ça, c'est un succès en tout cas. Ouais. Je vais le mettre là, je vais le voir pendant la vidéo. Thumbs up.
Mais t'as besoin si tu penses que c'est vrai, ça? Je vais nettoyer ça avant mon passé. Tu peux toujours te cabonner à la chaîne des oui, enfants-là. C'est gratuit. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Ça, je me souviens quand j'écoutais les vidéos avant. Genre, le monde disait genre, c'est, tu peux t'abonner, c'est gratuit, tu peux également activer la cloche. C'est tout à fait gratuit, ça vient juste te dire quand je suis en vidéo, donc tu le sais. Le message, ouais. Abonnez-vous, achetez la petite cloche. Activez la petite cloche. Ok, le deuxième, je peux le retrouver parce que je m'en rappelle plus par cœur. Ok, c'est assez simple. Je vais faire ma job. On prend des biscuits, on les met dans une tasse, on met du lait, on écrase des biscuits, on met, nous, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme biscuits, j'ai dedans. On a genre les vitales. On a des biscuits santé. Yeah. En vrai, c'est quand même très bon. Par contre, eux sont encore un peu durs. Ben, je vais en envoyer des prochains. Mais en, je pense qu'on a mis 3 ou 4, à peu près. Sortant le milk. Non, mais c'est pas mal. Voilà, 4 biscuits. Il est jusqu'à là. Là, pour le défoir. On dirait que je ne pas. Genre, ça va pas tant gonfler parce que c'est juste des biscuits. Moi, ouais, ça ne gonflera pas. C'est des chips. C'est de foin. Ouais. Donc, le mou, sinon. Quelle combinaison, c'était quand même épais sur ma feuille en fin. Un petit lait à combler. C'est jusqu'à hauteur des biscuits, puis c'est ce que j'ai fait. Ok. C'est vraiment là de rien. Ouais. Je pense que je vais pouvoir filmer un peu avec mon sel. Oui, dès que ça a l'air loin. C'est vraiment liquide, c'est vraiment plus épais que ça. On va essayer. Ça va vraiment rien faire. Ok, on va mettre au micro-ondes, mais moi je pense que ça va juste le faire réchauffer. Un biscuit réchauffé. On va regarder que ça a l'air. Ça se mêle absolument rien. Ça a fait un bon chocolat chaud là au pire. Je vais le faire. C'est autant liquide que c'était. Je vais le faire réchauffer. C'est un flop! Ça a floppé, c'est encore autant liquide que c'était. On va goûter. Ça a fait cœur. Ok! C'est vraiment bon, ça goûte le chocolat chaud. Ça goûte les biscuits, mais genre dans le chocolat chaud. Ah ouais! C'est bon? C'est comme le chocolat chaud. Mais ça goûte le... Ok, ça c'est des bouchées de Nutella, 2 ingrédients. Ça prend 2 œufs. Plus du Nutella en effet. Je pense qu'on va faire la moitié de la recette parce qu'elle a l'air d'en avoir un essai. On prend la moitié qui va être 2 œufs, puis là c'est 1 tasse et demie de Nutella, fait que ça va être 3 quarts de tasse. Voilà. Comme ça. Un œuf. Je vais mettre 3 quarts de tasse de Nut. Moi j'en ai un. Pas si il y a pas de sac. 3. C'est quand même un tasse. Genre t'as splitté en 2 là. Ouais, mais c'est 1 tasse et demie. Calmez. C'est comme ça, non plus, ça va pas lever. Ben, tu sais, des œufs. Ben, ça va pas lever quand même en fait, mais ça va cuire comme une omelette. Ouais. Alors, faut que tu viennes la mettre au Nutella. Elle dit pas qu'on est quand même son four. Ça doit être, on va commencer à s'en passer. Ça va passer. Hop, 350 pour 22 minutes. Ouh, ça ressemble à son affaire en tout cas. C'est ça, en vrai, je pense que ça va être bon. Ouais, je pense. Genre, les œufs, ça goûtera pas, ça goûtera genre le Nutella. Ça va être comme une crêpe de Nutella, je pense. Ouais, genre. Notre mélange est pris dans le fond, c'est vraiment. C'est vraiment épais. Tu veux-tu faire en silicone, les trucs comme ça? Silicone parlé. Silicone. Ah, bah, nous, je serais dans mes. Épais. Très épais.
C'est correct, ça? Yup. On en a genre 3. Puis là, on va mettre ça au 4 pour 22 minutes, comme ça nous a dit dans le TikTok. Tu prends beaucoup de place. Tu vas te dire que ça a guéri demain. Non. J'ai jamais fait ça dans la vie. Pourquoi tu me demandes? Je m'en voulais. Allô? Je vais faire une vidéo, puis t'es mort fait, là, ton moule en silicone, tu mets ça direct dans le four. Oui. Genre, direct, ça a guéri. Ça brûle pas. Mais non, c'est fait exprès pour ça. Ok, merci. Au revoir. Bye. Bon, apparemment, on met ça direct là-dessus. Oui. J'ai un peu peur. Ça me laisse un peu dire. C'est elle qui le sait. Ok. Chine-moi. 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 Les doigts croisés. Aïe. Oh. Mettre un minuteur de 22 minutes. Voilà. On va sortir ça maintenant. On va. Yo, ça a fucking bien fait là. Ça a full gonflé comme des muffins, puis il y avait juste deux ingrédients. Nutella, œuf. 1 hour later. Bon, fait que là, on a laissé refroidir ça pour moins une demi-heure. Puis ça a comme effoiré, ils ont comme calé, en tout cas, sans sac. C'est un peu collé. Un peu beaucoup. Ouais, il manque le bas dans le fond. De chaque truc. Il y a au moins la moitié qui est pris dans le fond du truc. Je pense que si on passe, c'est cuit. Je pense qu'on passe. Il manque un petit peu de cuisson, mais ça sent vraiment bon. Fait qu'on va goûter assez. Nos bouchons ont été lieux. On le sent vite là. Cheers. Oh. Le goût de brownie. Le brownies, beaucoup trop mou ou Nutella. Enfin, maintenant, je vais expliquer si c'est un thumbs up, comme ça, c'est un thumbs up là. En même temps, je sais pas si ça vaut la peine de manger autant de Nutella pour que qu'il goûte ça. C'est quand même presque juste du Nutella. Comme c'est pas wow là. Non, c'est ça, moyen pour ça là. Comme pas oui, pas non. Dernier hack de la vidéo, c'est cette sandwich aux œufs là. Dans le fond, tu mets des œufs, deux toasts, puis à la fin, tu le flippes, que ça fait genre une sandwich. Directement. On va essayer ça à l'instant. Ça va goûter un peu bizarre, genre juste un peu. On va mettre genre ça les poivres. Et puis on peut rajouter du fromage. Faudrait que je vous le rende. Ouais, c'est ça, ça peut aider. Bon, là on va mettre des œufs. Combien d'œufs? Deux œufs. Et de un. Ça. Tu savais que quand tu pètes deux œufs ensemble, il y en a toujours un qui casse et l'autre casse pas. Il n'y a jamais les deux. Là, il va falloir casser ça. Attends. Oh, ouais, ça, je vais casser. Ça veut dire que lui, il avait déjà cassé au début. Par contre, ça ne marchera pas. Pourquoi? Fallait les pètes avant. Pourquoi? Parce que là, ça va faire une. Ça va faire genre des œufs. Des œufs brouillés. Mais non, check, t'es brouillé de même, puis après, ça va faire une. Non, c'était pas une coquille. Check, tu fais ça. Puis après, t'es place comme une crêpe, ça va marcher. Ok. Comme ça. Là, tu l'égalises. Tu peux mettre du sel. Vraiment comme partout, à peu près. Bon, là, faut pas qu'on chie dans la pelle. Dans le fond, il fait. Il en a mis un comme ça, il l'a tourné après. Il trempe. Il le met là. Il est pas beaucoup trempé. Comme ça. L'autre, il fait la même chose. Il trempe de même. Puis après, il met. On va le flipper de même. En tout cas, au pire, les pains seront à l'envers. Là. Ouais, pis il faut que tu laisses... les pains sont à l'envers par contre. Lui, il faudrait mettre de l'autre bord, mais il est trop tard pour le virer. Fait que je vais le mettre de même, ça va marcher. Ouais. Fait qu'on le vire de bord. Mais qu'on le vire de bord, on va mettre le fromage chez eux. Fait que ça colle. Et qui? On va essayer de flipper ça. Period! On va mettre du fromage genre sur une tôte, mais qu'on le flippe, ça va être dans le milieu. Ça sent vraiment bon. Genre, ce fromage-là, est-ce que c'est utile pour toi? Ouais. Comme ça! Ça cook un peu. Oups. Oups. Mon enfant précis, il prend ça. J'ai les crises. T'es capable. Parce qu'il y en a comme pas long. Les crises là. La même chose de l'autre côté. Fromage, c'est optionnel. C'est nous qui le choisissons. Yep, on a modifié un petit peu.
Notre hack, c'est plus de voir si ça va marcher pour vrai la semaine. Ouais, c'est ça. Que les ingrédients. Il tabarnache. J'ai peur que la voix elle tombe. J'ai vu que l'œuf il reste là. Comme ça. Moi, je pense que ça va marcher. On est bien partis en tout cas. Ouais, je pense que ça va marcher. Là, faut juste flipper une toast. Yup. Yep. Comme ça. Tu fais. Ça marche là? Très joli. Ça a marché là? C'est une sonnette chose 2 là? 1er avril. On s'est laissé là. Là, ça a vraiment bon. Ça a vraiment fonctionné. Ouais, ça fait une sandwich. Puis en plus, nos pains sont du bon bord finalement. J'ai pas de word. On va chacun une moitié dans le fond de sandwich. De sandwich? Ouais, oh, c'est ça comme. Ça a freaking chaud. C'est très chaud. Bon. Fromage, ça rajoute vraiment tout le goût. Ouais, ça va être un peu plat. Ça va être bon. Pourquoi le dire de plus? À goûter. Ça goûte la cette chose là. Le hack, ça mange en tout cas pour. Mais. Pour flipper. Ouais, tu sais. Mais mettons, quand tu mets une toast avec un œuf du fromage, ben c'est ça. C'est vraiment ça. C'est juste une autre façon de comme le flipper. Ça, c'est un. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo où on a testé des food hacks de sur TikTok. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao! Mais c'est pas besoin de me dire ce que je dois faire comme intro, comme conclusion. T'as assez complet? Je le sais. C'est le même period. Je suis le même.